L'heure du mystère. Une production de Germaine Beaumont. Aujourd'hui, Sous-sol de Francis Didelot. Réalisation Ange Gilles. Non! Non, ce n'est pas vrai! Ça suffit comme ça. Tu vas m'écouter. Qu'est-ce que c'est? La flèche, monsieur le commissaire. Oui. Le brigadier Lapèche. Bon, ben, entrez. Entrez. Bonjour, monsieur le commissaire. Eh ben, brigadier, vous vous y prenez à l'avance. 6 heures du matin à peine. Est-ce que nous ne devions pas partir à 7 heures seulement? Notre partie de pêche, elle est dans l'eau, monsieur le commissaire. Mais il pleut, j'ai rien entendu. Ah non, c'est pas ça, non. La vérité, c'est que je suis dans un sacré pétrin, si j'ose dire. Ah oui, oui, vous êtes vert. Qu'est-ce qui se passe? Oh, une affaire, monsieur le commissaire. Une affaire à laquelle je ne comprends rien. Je suis pas fait pour ça, moi. Alors, si vous vouliez... Ah non, 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 la flèche, oh. Ne me demandez rien, je suis en vacances. J'ai choisi un coin pas trop pourri encore par les pêcheurs du dimanche, et puis nous sommes à 500 kilomètres de Paris. 3 motifs pour vous laisser vous débrouiller comme un grand. Monsieur le commissaire... Non, brigadier. En copain, si j'ose dire. Non. Une maison comme vous n'en avez jamais vu de votre vie, je vous le garantis. Un vieux bonhomme et ses 3 filles. On n'entre pas facilement chez eux. Et voici que cette nuit, on s'est tiré dessus. Oui, une des filles est blessée, le docteur Dupin nous a alertés. Et moi, je m'y perds, monsieur le commissaire. Oui. Monsieur le commissaire. Mais je n'ai aucun pouvoir ici, mon pauvre ami. Nous pouvons, vous et moi ensemble, enlever des truites à leur élément naturel, mais je n'ai pas le droit de me mêler de votre enquête. Ah, mais je ne sais même pas s'il faut qu'il y ait une enquête. Tandis que vous... Vous êtes le commissaire personne, vous avez l'habitude des crimes. Oui, oui. Oh. Vous saurez me dire si vous flairez quelque chose de pas normal. Tenez, vous serez à côté de moi comme quand je vais à la chasse avec mon chien, si j'ose dire. Oui, chien ou pas chien, je ne vous promets rien. Mais je m'habille. Voilà. Ah, merci, monsieur le commissaire. Dites-moi, pendant ce temps, racontez-moi un peu. Qui? Où? Comment? Bon, alors, faut que vous sachiez que le comte Déodat de Vendry... Quoi? Déodat? Oui, c'est son nom. Et il habite dans la région de père en fils. Il a 76 ans et il est propriétaire d'une grande baraque au fond d'un parc. Vous êtes sûrement passé devant. Bah, j'ai pas remarqué. Qu'est-ce qu'il fait, votre bonhomme? Bah, il n'a jamais rien fait, sauf 3 filles, si j'ose dire. Et il y en avait même une 4e, mais elle est morte il y a 5 ou 6 ans. Et les 3 qui lui restent, ce sont elles qui vous inquiètent? Ah, mais rien n'est comme ailleurs, là-bas. L'aînée, Céleste, elle a 45 ans et je la manierai pas avec un pique-feu. Hein. La seconde, Coralie, 40 ans. C'est comme un mouton, mais un mouton qui aurait quelque chose dans sa tête plate. Et enfin, il y a la dernière, Rachel, elle s'appelle. Oui. Elle a 33 ans. C'est celle-là qui a été blessée. Ah, oui, j'oubliais, toutes les 3 et celle qui est morte, pareil, elles sont toutes de mères différentes. Oui, 4 fois mariées, le comte de Vendry. Et on raconte que, sans ses filles, il aurait continué. Bah, où est le crime dans tout ça? C'est ce que je me demande, monsieur le commissaire. Ce matin, à 4 heures, par là, voilà que mademoiselle Céleste, elle a entendu comme du bruit. Elle a cru à un cambriolage, alors elle est sortie de sa chambre avec un pistolet à la main. Oh, et quand vous la verrez, vous rendez compte, elle n'a pas froid aux yeux. Elle est allée jusque sur le palier, et de là, on plonge sur le hall d'entrée. Elle a perçu une silhouette et, vlan, elle a vidé le chargeur. 6 coups, 4 balles par-ci, par-là, mais 2 dans le corps de mademoiselle Rachel. Voilà. Bon, eh bien, je me recouche, brigadier, si vous n'y trouvez pas d'inconvénient. Mais, monsieur le commissaire... Il s'agit de blessures par imprudence. Vous êtes de taille à régler ça vous-même. Et vos chefs vous féliciteront, j'en suis certain. Mais non, parce que
Depuis que je suis arrivé là-bas, dans leur maison, je sens quelque chose de pas catholique. Ah, c'est grave, ça, mon bon ami, c'est grave. Vous êtes impressionnable. Vous moquez pas, monsieur le commissaire. Non, mais si vous y entrez, vous, dans leur baraque de notre âge, avec les fenêtres à vitraux, aux volets fermés la plupart du temps, vous ferez la même constatation que moi. On respire là un air irrespirable. Oh. Vous ne m'avez pas dit, ces trois filles, elles sont mariées? Elles sont veuves? Aucune n'est passée devant, monsieur le maire. Et leur conduite laisserait à désirer? Non, on n'a jamais bavardé sur elles dans le pays. Sauf pour reconnaître qu'elles ne sont pas comme tout le monde. Ah, et dignes de figurer au musée des horreurs, peut-être. Ça, elles auraient du mal à gagner un concours de beauté, mais elles font pas peur. Et même mademoiselle Rachel, elle aurait sa chance, si j'ose dire. Et où en êtes-vous, là-bas? Vous avez commencé une enquête? Vous avez questionné les uns et les autres? Comment voulez-vous? Non, mademoiselle Céleste reconnaît sa maladresse. Il n'y a pas de plainte déposée. Ah oui. Le docteur Dupin dit que mademoiselle Rachel s'en tira. Elle a même refusé d'être transportée à l'hôpital. Non, je vous répète, il n'y a rien. Mais il y a tout ce que je sens, hein, si j'ose dire. Monsieur le commissaire. Bon, je vous accompagne. Si on nous met dehors, nous n'insisterons pas. Que ce soit convenu, n'est-ce pas? Monsieur Personne, vous êtes chic. Chic, mais pas rasé. Alors, avant d'y aller, si vous permettez. Voici le hall, monsieur le commissaire. Pardon. Monsieur Personne. Alors, c'est ici que ça s'est passé. Oui, mademoiselle Céleste était là-haut, sur le palier. Pas de lumière, sauf un peu de jour venant du dehors et tombant de l'imposte là au-dessus de l'entrée. Oui. Et mademoiselle Rachel, elle se trouvait en bas, par ici. Ah oui, il y a quelques taches de sang. Et c'est vous qui l'avez relevé? Non, quand nous sommes arrivés, on l'avait déjà transportée dans le salon voisin. Et le docteur Dupin nous avait précédés. Vous m'avez dit 2 balles au but et 4 au hasard. Hein? J'ai repéré les points sur un mur, là. Tenez, oui. Regardez. 1, 2, 3 et 4, là. Oui, je vois, brigadier, je vois. Et je remarque la hauteur. Quelle est la taille de mademoiselle Rachel? Plutôt petite, je lui donne pas 1m60. Et les 4 points d'impact dans le mur sont à peu près à 2 mètres du plancher. Ou bien mademoiselle Céleste a visé trop haut, ou bien elle ne sait pas se servir d'un automatique. Vous pourriez lui demander, vous, monsieur le commissaire. Bon. Peut-être, mais sans insistance. Et appelez-la. Appelez-la, patron. Ah oui, voilà. Oui, je comprends, si j'ose dire. Pardon. Mademoiselle Céleste! Vous m'appelez, brigadier? Vous en avez fini de vos petites recherches? C'est mon collaborateur, Monsieur Personne. Il aimerait, enfin, si j'ose dire... On n'est jamais assez méticuleux en pareille matière, mademoiselle. En effet. Eh bien, à votre disposition, Monsieur Personne. Merci. Mademoiselle, j'aimerais savoir de vous... peu de choses... Ce pistolet, vous vous en étiez déjà servi? L'été à la campagne. Il m'arrive de tirer à la cible. Ah, vous avez une propriété? Ce qui nous reste d'un domaine plus vaste. La chasse? Bien entendu. Mais on doit aller chez les voisins pour apercevoir quelques gibiers. Mais peu m'importe, c'est secondaire. Non, ce qui m'intéresse... C'est quoi? Vous allez vous moquer. Mais votre demeure a un cachet, un caractère... Par son architecture comme par son ameublement. Vous évitez d'y rien changer, n'est-ce pas? C'est le vœu du comte de Vendry, notre père. Ben, si vous me permettiez de jeter un coup d'œil. Oui, les vieilles pierres exercent sur moi une fascination. Venez donc. Non, inutile de vous déranger, mademoiselle. Je pourrais, par moi-même... Venez. Que je vous avertisse, toutefois, certaines pièces sont inhabitables. Pour d'autres, vous admettrez que l'intimité n'en soit pas violée. 3 femmes vivent sous ce toit.
Chacune a sa chambre. À propos, êtes-vous pleinement rassurée en ce qui concerne votre sœur, mademoiselle Rachel? Oui. Vous venez? Avec joie. Avec joie et avec la réserve qui s'impose. Et vous, brigadier, vous ne participez pas à la visite? Inutile de vous déranger, brigadier. Commencez plutôt à rédiger. Allez jeter un coup d'œil au sous-sol. D'accord. Par ici. Oui. Cet escalier dessert les deux étages. Au premier, la chambre de notre père et la mienne, et d'autres inoccupées. Au second, les chambres de Rachel, de Coralie, et d'autres sans intérêt. Et voilà, monsieur Pearson, la visite est terminée. Si singulière que notre maison vous soit apparue au premier abord, c'est en définitive qu'une demeure familiale. Calme. À l'abri des agressions de la vie moderne. Nous sommes trois filles. Trois vieilles filles avec leur vieux papa. Oui, si j'ai bien saisi les précisions données par mon chef, le brigadier Laflèche, vous vous teniez ici sur le palier et c'est de là que vous avez surpris une silhouette en bas, n'est-ce pas ? Dites plutôt que j'ai aperçu comme une ombre. J'ai vidé le chargeur. Ça n'a pas duré 3 secondes. Oui. Eh bien, je vous remercie, mademoiselle. Vous avez terminé, brigadier, de votre côté ? C'est-à-dire que je n'ai pas pu descendre au sous-sol. La porte que vous voyez là, elle est fermée et la clé n'est pas sur la serrure. Vous entendez, mademoiselle ? J'entends. Vous pouvez ouvrir cette porte. Si je vous répondais que la clé est perdue ? J'aurais de la peine à vous croire. Est-ce que vous n'abusez pas ? Je me posais justement la question. Brigadier, pourquoi avez-vous amené ce monsieur Pearson avec vous ? Il a des compétences et puis pour que tout soit en règle, n'est-ce pas ? Très bien. Nous n'avons d'ailleurs rien à cacher, vous le constaterez. Dois-je vous ouvrir moi-même ? Je vous en prie, mademoiselle, oui. Voici le sous-sol. Par là, une cave. De ce côté, une resserre où l'on entasse les rebuts. Enfin, le garage. Mes sœurs et moi partageons cette voiture vieille de 15 ans. Et là, mademoiselle, le chauffage central, n'est-ce pas ? Vous permettez ? Je l'aurais parié. Bonjour, jeune homme. Mais qui est-ce ? Mais qui êtes-vous ? Que faites-vous ici ? Je ne répondrai qu'en présence de mon avocat. Ça, mon garçon, c'est une question dont nous débattrons plus tard. N'est-ce pas, brigadier ? Sûrement. Vous affirmez ne pas le connaître, mademoiselle. Jamais vu ! Et vous, jeune homme, vous ne connaissez pas non plus mademoiselle de Vindry ? Jamais vu. Peut-être auriez-vous entendu les coups de feu. Les coups de feu ? 6, pour être précis. Rien entendu. J'ai été entré par hasard et par la porte du parc. Je cherchais un abri pour la nuit. Ici, ça m'a paru correct et bien chauffé. Je me suis couché sur les sacs, là, dans le coin. C'est vous qui m'avez réveillé en descendant l'escalier. Vous parliez vraiment trop fort. Très intéressant. Votre avis, brigadier, qu'est-ce qu'on en fait ? Si on le mettait en conserve. Excellente idée. Il suffira de le placer au frais et tout à l'heure, nous irons l'interviewer. Où allez-vous ? Bavarder avec monsieur de Vendry. Vous m'avez bien dit, brigadier, que vous ne l'aviez pas encore entendu. Tout juste, si j'ose dire. Laissez mon père en dehors de tout cela. La nuit a été assez éprouvante pour lui sans que vous veniez encore. Vous disiez, mademoiselle ? Rien. Sinon, vous ne réussirez pas à m'écarter. Asseyez-vous, monsieur de Vendry. Nous n'en aurons pas pour longtemps. Je dormais, monsieur. Vous me pardonnerez, mais plus une enquête est vivement menée, plus elle a de chances d'aboutir. Qui a parlé d'une enquête ? S'il vous plaît, Céleste,
Je suis assez grand pour répondre à ce monsieur, que je ne connais pas. On m'appelle Personne. Sachez donc, monsieur Personne, que tout ce qui vient de l'extérieur représente à mes yeux un danger. Vous ne sortez donc jamais ? Jamais. Dans le parc ? Jamais. Oserais-je vous demander ce que vous faites de vos journées ? À son étron, ne répondez pas, mon père. Taisez-vous, Céleste, cette conversation m'amuse. Apprenez, monsieur, que je veille à ce que rien n'entame ma puissance vitale. J'ai 100 ans. Me les donneriez-vous ? Ah non ? En quoi vous auriez raison ? Je n'en ai que 75 et demi. Vous êtes au courant de ce qui s'est passé cette nuit ? On m'en a parlé. Qui ? Je le sais, un cambrioleur s'est, paraît-il, introduit sous notre toit et Céleste l'a tué. En quoi elle a bien fait et correctement visé. Elle avait 10 ans quand je lui ai offert sa première carabine. On vous aura mal renseigné. Il ne s'agit pas d'un cambrioleur, mais de votre fille Rachel. Elle n'a pas été tuée, blessée seulement. Est-il possible, Céleste ? Vous qui faites mouche à 30 pas ? J'ai tiré au jugé dans l'obscurité du hall. Tout de même. Est-ce tout, monsieur Personne ? Non, encore un détail. Nous avons découvert un inconnu au sous-sol. Ah, qui faisait-il ? Il dormait, à l'entendre. C'est logique, il règne au sous-sol une douce chaleur. Quoique vétuste, notre chauffage suscite beaucoup d'envieux. Bonsoir, monsieur. Je vais tenter d'achever ma nuit. Mes 12 heures de sommeil sont la garantie de ma jeunesse. Si vous permettez, nous en parlions avec le brigadier. Vous vous êtes marié 3 fois. 4 fois. Et il m'arrive de songer que je ferai encore un époux fort acceptable. Mes filles s'y opposent, n'est-ce pas, Céleste ? Par amour pour vous, mon père, vous le savez bien. Mais c'est par amour également que vous m'empêchez de boire lorsque j'ai soif. Ah, monsieur Personne, que n'ai-je eu des fils ? Ainsi pourrais-je de temps à autre vider avec eux une bouteille à la gloire de Bacchus et de Vénus. Mon père... Oui, soyez contentes toutes les trois. Vous m'obligez à boire un verre en cachette comme un adolescent tenu en lisière. Bonsoir. J'espère que vous quitterez promptement notre maison, monsieur, rien du tout. Je vous reconduis à votre chambre, mon père. Eh bien, monsieur le commissaire, qu'est-ce que je vous disais, hein? Cette maison... Est... Ah oui, c'est assez irrespirable, en effet. Mais diablement captivant. Un instant. Si. Oh, mademoiselle, écoutez derrière la porte, une devinerie. Je... Vous passiez ? Oui, je comprends. Mademoiselle Coralie, n'est-ce pas ? Oui, monsieur. Monsieur Personne. Merci, voilà les présentations faites. Nous pouvons bavarder en amis. Je ne sais rien. Au moins une chose. Pourquoi ne vous êtes-vous pas mariée ? Mais on ne m'a jamais demandé. D'ailleurs, je suis laide. Si quelqu'un vous l'a fait croire, il a menti. Votre avis, brigadier ? Eh bien, c'est que mademoiselle Coralie, elle est une belle fille, si j'ose dire. Vous voici rassurée, mademoiselle Coralie. Vous pourrez vous marier bientôt, songez-y. Vous connaissez René ? René ? Non. Il ne vient pas de visiteurs ici. Notre père est assez sauvage. Il préfère notre solitude familiale. Excusez-moi. Conduisez-nous auprès de votre sœur, voulez-vous ? Céleste est allée dans sa chambre, je crois. Non, c'est votre sœur Rachel que le brigadier tient à voir. On ne doit pas la déranger. Oh, nous ne la dérangerons pas, vous en jugerez vous-même. Allons. Céleste ne me pardonnera pas. Allons. Vous voyez, elle repose. Elle a l'air plus calme. Tout à l'heure, elle souffrait, sa figure était comme torturée. Taisez-vous. Ah, je dois vous laisser. Mais non. Tenez compagnie au brigadier. Moi, je... Ma
Mademoiselle Rachel. Vous m'entendez, n'est-ce pas? Non. N'essayez pas de me répondre. Écoutez seulement. René, ce nom, vous est-il connu? René. Non? Réfléchissez bien et quand je reviendrai, vous me répondrez, j'en suis sûr. Bon, eh bien, nous pouvons nous retirer, brigadier. D'accord. Monsieur Pearson, qu'avez-vous dit à Rachel quand vous étiez penché vers elle? Ah, ça, mademoiselle Coralie, c'est un secret. Venez, brigadier. Cette fois, je vous laisse, monsieur. Il faut remettre de l'ordre dans la maison, après tout le désordre de cette nuit. Entendu, mademoiselle Coralie, nous nous retirons. Mademoiselle. C'est fini. Vous ne reviendrez plus. Ah, je n'ose pas vous le promettre. Qu'est-ce que vous faites ici? Ah, mademoiselle Céleste, je me doutais que vous rôdiez par là. Vous êtes allée dans la chambre de Rachel, n'est-ce pas? Je te jure, Céleste, je ne voulais toi, pas. Toi, idiote! Et vous, monsieur Pearson, que cherchez-vous? Il n'y a aucun secret sous notre toit. Sinon, notre désir de ne pas être mêlé aux salissures de l'existence moderne. Je vous comprends, mademoiselle, je vous comprends fort bien toutes les deux. Et même peut-être toutes les trois, mais me direz-vous maintenant, cet individu que nous avons arrêté au sous-sol, ne serait-ce pas lui que vous visiez cette nuit et que vous avez raté? Je ne le connais pas, je vous l'ai dit. Il vous l'a confirmé. Mmh. Eh bien, brigadier, si nous allions le lui redemander à lui... Franchement, monsieur le commissaire, ce type qu'on a trouvé dans le sous-sol, ça m'a l'air d'un drôle de paroissien. Vous l'avez déjà questionné? Oh, deux ou trois mots comme ça, pour le tâter. Il n'a pas tâté d'autre chose, au moins. Oh, non. On respecte l'homme dans la gendarmerie. Ah, tant mieux. Tant mieux parce que j'ai le sentiment que ce garçon devrait nous conduire à la vérité. Ah, n'est-ce pas qu'il y a un secret dans cette maison? Bon, il y a un secret dans toutes les maisons, brigadier, mais cette maison-ci est particulièrement attachante. Alors, je vais chercher le garçon. Auparavant, j'aimerais que vous appeliez le docteur qui a soigné Rachel et vous lui poserez les questions que j'ai notées sur ce bout de papier. Oui. Vous me permettez de tenir l'autre écouteur? Mais comment non? Allô? Allô, docteur? Ici la flèche. Oui, le brigadier. Je voudrais vous demander, pour mon procès-verbal dans l'affaire de Vindry. Primo, est-ce que mademoiselle Rachel aurait pu se blesser elle-même? Non, très bien. Deuxio, l'angle des blessures. Oui. Bon. Troisio, est-ce que mademoiselle Rachel est restée consciente pendant un certain temps après avoir été blessée? Ah. Très bien. Reste le carto et c'est à votre appréciation, docteur. Oui. Sincèrement, est-ce qu'elle est aussi atteinte qu'elle veut bien le paraître? Oui, je vois. Ça suffit, raccrochez. Eh bien, merci, docteur, j'y vois plus clair. Si j'ose dire. Bon, appelons le jeune homme. Hé, hey, vous. Ah, alors on se décide. C'est pas trop tôt. Ah, si, allez. Attends. Asseyez-vous. Oui. Cigarette? Oui, merci. Mais n'espérez pas me posséder avec des câlineries. D'abord, qui êtes-vous? Pourquoi ce n'est pas le brigadier qui m'interroge? C'est lui, l'officier de police judiciaire. On a délégué mon collègue. Tu n'as qu'à répondre et ne fais pas le malin. À vos rangs fixes. Bon, ben, ça suffit comme démonstration d'indépendance. Vous vous appelez comment? Rochereau. René. Mais remarquez, ce n'est pas mon vrai prénom. Mon père était un petit rigolo, alors il m'a baptisé, tenez-vous bien, Clou. Oui, comme ça, un clou.
De quoi faire crever de rire toutes les mignonnes. Alors je me suis choisi un prénom à ma convenance. René. Profession? Étudiant en droit. Ça signifie que j'ai des connaissances. Vous avez quel âge? 25 ans. Un étudiant prolongé, quoi. Domicile? Mis à part le sous-sol de la maison de Vindry. Et j'habite à Paris, hôtel du Grand Ergue, rue de la Parcheminerie. Quand j'ai de l'argent, bien sûr, ce qui est rare. Cet été, j'ai pris la route, vacances en autostop. Mais c'est comme ça que je suis arrivé dans ce bed, en me cherchant un gîte. J'ai aperçu cette grande baraque au fond d'un parc, pas de lumière, une brèche dans la clôture. Je me suis faufilé et j'ai découvert une porte ouverte. Mon histoire, monsieur le juge, a-t-elle été assez brève? Ben, il manque un détail capital. Pourquoi êtes-vous resté après les coups de feu? Je vous l'ai déjà dit, je n'ai rien entendu. Nous ne vous croyons pas, n'est-ce pas, brigadier? Pas un mot, si j'ose dire. Et tant pis. Un effort, voyons. Non? Bon, eh bien, vous m'obligez à consulter ma boule de cristal. Que vois-je? Quelqu'un qui se trouvait dans la maison, à l'intérieur même, peut-être dans une chambre. Vous étiez entré pour cambrioler? Vous divaguez. Je me contente d'avancer le faux pour atteindre le vrai, c'est-à-dire les relations que vous avez avec l'une de ces trois demoiselles. Attention, l'excès de courtoisie mène parfois en correctionnel. Est-ce souhaitable? D'accord, j'étais chez Rachel. Elle me faisait filer en douce quand nous avons été surpris. En somme, elle a été blessée à votre place. C'est un peu ça. Ben, je lui devais bien de ne pas vous la nommer tout de suite. Oh, on n'est pas plus de gentleman. Mais une fois retourné dans le sous-sol, pourquoi ne pas vous enfuir illico? J'avais peur pour Rachel. Cette grande cavale de Céleste, il n'y a pas pire. Une refoulée, on se demande toujours sur quel terrain elle va attaquer. D'ailleurs, elle... D'ailleurs? Oh, toutes les trois, chacune dans son genre, elles ne sont pas d'aplomb. Toujours bouclées dans leur maison, pas mariées, pas d'amant. Sauf Rachel. Pauvre fille, ça a 33 ans et ça crève dans ce tombeau. Si elle ne m'avait pas rencontré... Où ça? Réponds, espèce de morveux. Mais oui, je réponds, brigadier, je réponds. J'étais sur la route, j'espérais qu'une âme charitable me récolterait dans sa voiture... Rachel est passée, elle revenait de la ville, elle m'a embarqué, on a causé. Alors... Alors vous l'avez embarqué à votre tour. Eh bien, il ne semble pas y avoir de motif pour vous retenir davantage. C'est votre avis, brigadier? Ben, si j'ose dire, je... Allez, jeune homme. Allez-vous-en. Allez-vous-en, le brigadier pourrait regretter de vous lâcher si vite. Eh bien, monsieur le commissaire, je sais que vous avez votre manière d'enquêter. Pourtant, là, franchement, je suis dépassé. Faut pas, brigadier, faut pas. Je vous l'ai dit, ce garçon a découvert quelque chose là-bas. Il va donc y retourner et il va tout bousculer. Dans ce milieu fermé, hostile à tout ce qui vient du dehors, il représente l'étranger, l'insolite, le virus. Comment les autres vont-ils réagir? C'est foutument dangereux, monsieur le commissaire, et si j'ose dire. En effet, brigadier, en effet. Qu'est-ce que c'est? J'aimerais vous dire un mot. On n'a pas besoin des journalistes. Je n'en suis pas un. Mais si vous ne m'ouvrez pas, je la reparlerai aux journalistes. Ils ne demanderont qu'à m'entendre. Non, non, surtout pas. Qui êtes-vous? Excusez-moi, on sera mieux dedans. Vous pouvez refermer. Merci. Je m'appelle René. Ça ne vous apprend rien? Je sors si peu. Moi, je vous connais, mademoiselle Coralie. Je vous connais toutes les trois. Céleste, Coralie et Rachel. Compris cette fois? Mais... Laissez Coralie tranquille! Ah, voilà Buffalo Bill. Qu'est-ce que vous avez fait de votre artillerie? Céleste, on ferait mieux d'appeler la gendarmerie. Mais commandant, le brigadier La Flèche sera enchanté. Quoi, je me demande s'il ne se doute pas un peu. Et son coéquipier plus encore.
Qu'est-ce que vous voulez? Vous évitez des ennuis, ma petite Céleste. Oh, il t'appelle par ton prénom. C'est pas plus gentil, Coralie? Des beaux-frères à belles-sœurs. Je ne comprends pas. Apprenez donc, ma petite Coralie, que Rachel et moi... Oh, oui. Va dans ta chambre, Coralie. Enferme-toi. Tu n'as pas peur que... Va dans ta chambre. Ainsi c'est vous que je devais tuer. C'est moi. Depuis plus de 20 ans, toutes les nuits, je fais 3 rondes dans la maison. À 11h, à 2h, à 5h. Voilà pourquoi vous vous esquiviez à 4h. Voilà pourquoi vous me guettiez. Et vous avez tiré haut parce que je suis grand. Pourquoi êtes-vous resté dans le sous-sol? La porte était ouverte sur le parc. Vous pouviez déguerpir. Stupide que vous êtes. Stupide ou subtil? Hein? Vous m'avez mis la puce à l'oreille quand vous avez fermé la porte du sous-sol à double tour, derrière moi. Ça m'a donné l'envie de prendre l'écoute. L'écoute? Eh oui, oui. Et ça fait maintenant une bonne semaine que je suis venu pour la première fois rendre une visite nocturne à Rachel. Il me fallait patienter avant de monter. Ou mieux attendre que dans le sous-sol. D'autant que je n'étais pas seul. Mais qu'est-ce que vous racontez? Simplement ceci. Que chez vous, les murs ont des oreilles. Grâce au conduit du calorifère, on surprend tout ce qui se dit dans la maison. Ainsi, quand vous avez dicté vos ordres à Rachel... Tu entends, idiote, ne joue pas à la grande blessée, ce sera bon pour plus tard, devant le docteur. Écoute-moi, il ne faut pas que l'on fouine dans nos affaires. Notre famille doit demeurer inattaquable. Et chacun tremble devant vous, y compris le papa octogénaire, pauvre vieux. Vous avez terminé? Oh non, je commence seulement. Allons, écartez-vous, je monte voir Rachel. Non. Si. Et ne comptez pas rectifier votre erreur de tir. J'établis un petit mémoire. S'il m'arrive un ennui, ça ira tout droit entre les mains du brigadier La Flèche... Et de son copain, ce monsieur personne, qui n'a pas l'air de vous porter dans son cœur. Vous êtes une ignoble guape. Combien? J'aurais plaisir à vous administrer une baffe. N'en fais rien. J'ai trop le respect de la famille. Où allez-vous? Voir Rachel. Non, non, ne vous dérangez pas. Je sais où est-ce. Je vous interdis. Qu'y a-t-il, Céleste, ma fille? Pourquoi s'écrie? Cet individu a l'audace de pénétrer de force chez nous. Vous, jeune homme? Oui, monsieur, peut-être devrais-je dire monsieur le comte. L'usage s'en est perdu. Alors, monsieur le comte, apprenez que je rends visite à votre fille. Oh, mon père, ne l'écoutez pas! Une dame, Céleste, vous me donnez des ordres. Et vous, jeune homme, renseignez-moi. J'ai 3 filles. La dernière seule m'intéresse, Rachel. Eh, vous avez bon goût. Montez vite. Vous oubliez que Rachel a été blessée. Par vous, Céleste. Il a raison, vous avez été d'une maladresse insigne, ma fille. Montez, jeune homme, je ne doute pas de l'accueil de Rachel. Merci, monsieur le comte, les choses commencent à s'éclaircir. Vous ne l'emporterez pas en paradis. Si ce doit être en enfer, je vous y retrouverai, Céleste. Restez, ma fille, et répondez. Que se passe-t-il ici depuis 2 jours? Il règne une atmosphère de confusion. La peste s'efforce de fracturer notre seuil. Voilà pourquoi j'écartais ce voyou. Serait-il écrit, mon père, que vous ne changerez jamais en dépit de votre âge? 100 ans, c'est déjà pas si mal. Que votre virginité en obtienne autant, voilà ce que je vous souhaite. Rachel. Alors, cesse de jouer la comédie, je suis seul. Alors, embrasse-moi. Ah, on se sent tout de suite mieux. Encore un peu d'élixir, docteur. Et maintenant, raconte. La brave Coralie m'a ouvert la porte en tremblant. La charmante Céleste a voulu me fiche dehors. Le comte ton père m'a trouvé à son goût. Et me voici dans ta chambre. Avec quelle intention? T'enlever. Pour cela, il faut que je puisse et que j'accepte. Mais tu peux très bien. Tu as joué au docteur la grande scène, souffrance, confusion, aphasie, syncope. De quoi écarter les gendarmes et laisser la famille Vendry régler l'histoire sans scandale. Comment sais-tu? Je viens m'expliquer à Céleste. Les conduits de votre calorifère constituent un interphone remarquable. J'ai tout ouï. Oh, avec des passages à vide.
Mais j'ai saisi l'essentiel. Et c'est pour ça que je suis resté dans le sous-sol pour connaître la vérité. Sur quoi? Sur vous trois. Pourquoi vous restez enfermés dans votre maison? Pourquoi aucune n'est mariée? Et pourquoi ton père est tenu en laisse? Et tu es fixé? Mais je commence, puisque je t'enlève. Oh non, mon chéri. Tu es un garçon charmant, un amant correct. Mais je refuse. Tu sais l'âge que j'ai? Oui, tu t'en moques, mais enfin, ça fait tout de même près de 10 ans de différence. Demain, ça te paraîtrait le double. Bon, cesse de raisonner. Allez, habille-toi et filons. Tu veux ta revanche sur Céleste, n'est-ce pas? Eh bien, non. Parce que je suis pauvre? Bon. L'autostop et les nuits dans les sous-sols de rencontres. Je préfère encore la vieille baraque de la famille. Tu crains que ton père ne te déshérite, ça? Pauvre papa. S'il pouvait s'évader, lui aussi. Rachel. Mais rien ne t'empêche de rester quelque temps. Hein? Puisque tu as maté Céleste. Moi, Céleste, toujours Céleste. C'est elle qui vous obéissait tous. Je l'empoisonnerai volontiers. Hé là, pas de blague, René. J'entends régler mes comptes moi-même. Et maintenant, embrasse-moi. Imbécile. Eh bien, quoi de neuf, brigadier? Comme vous l'aviez supposé, le jeune René est retourné à la maison de Vendry. On ne l'a pas flanqué à la porte. Il semble même installé pour un certain temps. Qu'est-ce qu'il y cherche, à votre avis, monsieur le commissaire? Un lit, une table, une femme. Outre quelques petits avantages dont il entrevoit la possibilité, sans bien les déterminer encore. Vous avez réussi à dénicher des renseignements sur lui? Oh, pas grand-chose. Sinon qu'on l'a aperçu dans un de ces petits bars de la ville, le Tifortou. C'est fréquenté surtout par des couples irréguliers. Alors, notre René et la demoiselle Rachel? Oui. Ouais. Et c'est elle qui paie. Discrètement? Oh, elle essaie. Lui, au contraire, il s'afficherait, si j'ose dire. Ben, dites, brigadier, et rappelez-vous, il y a dans l'atmosphère de cette maison quelque chose d'irrespirable. Le père et les trois filles vivaient en circuit fermé. Soudain, plus rien n'est comme avant. Les murs vont-ils s'effondrer en les libérant ou en les écrasant? Ah, si l'on pouvait faire la narco-analyse de mademoiselle Céleste. Dites, commissaire, vous ne regrettez pas d'avoir lâché les truites pour les demoiselles de Vendry? Seulement mes vacances touchent à leur fin. Mais supposez que ça se termine par un mariage. Mademoiselle Rachel de Vendry devenant madame Renée Rochereau. Hein? Certainement pas, mon bon La Flèche. Il y a, voyez-vous, un point que nous n'avons pas approfondi. Que fait le comte de Vendry? Quelles sont ses motivations profondes? Autrefois, avant que ses trois filles ne le bouclent, il ne songeait qu'à deux choses. Courir le jupon, légalement ou non, d'où ses quatre mariages, et aussi boire en cachette. N'importe quoi lui était bon, pourvu qu'il s'en livre. Bouclé par ses filles, privé de boisson, le comte aura-t-il sollicité le concours discret du jeune René? Et vous pensez que ce petit saligo irait jusqu'à empoisonner monsieur de Vendry? Qu'est-ce que ça lui rapporterait? Enfin, du moins, tant qu'il n'a pas épousé Rachel. Allô? Oui, oui, la gendarmerie. Quoi? Qu'est-ce que vous dites? Allô? Allô? Ça devait arriver. Au petit jour. Et avec un temps de cochon, si j'ose dire. Ah, monsieur le commissaire, vous voici. Mais c'est notre ami René Rochereau, et qui semblait nous guetter, brigadier. Dans le parc et sous la pluie. Voilà du courage. Mais il fallait que je vous voie, monsieur le commissaire, figurez-vous. Un instant. Pourquoi m'appelez-vous commissaire? Il y a une chose que je ne vous ai pas dite. Entre autres? Non, il faut me pardonner, vous allez comprendre. Quand je me cachais dans le sous-sol, j'ai fait une découverte.
Oui, par les conduits du calorifère, on entend ce qui se dit dans les autres pièces de la maison. Ah, je vois. Oui, le médecin a refusé le permis d'inhumer. Pauvre vieux papa, on l'a trouvé mort dans son lit. De toute façon, médecin ou pas, je vous aurais alerté. Monsieur René Rochereau, auxiliaire de la justice, voilà qui est bien. Hein? Et vous avez des soupçons? J'ai entendu des choses, des paroles qui laissent peu de doutes sur la volonté de Céleste. Quel genre de paroles? Il parlait de poison. Il faut en finir. Vous disiez. Ouais. Mademoiselle Rachel va donc hériter de son père. Comme Céleste, et comme Coralie, au même titre. Sauf celle qui aurait été pour quelque chose dans la mort de Monsieur de Vindry. C'est la loi, jeune homme, c'est la loi. Et maintenant, brigadier, si nous entrions, vous avez certainement des découvertes à faire. D'accord. Suivez-moi, si j'ose dire. Hé, hey, brigadier, je vous attendais avec impatience. Et vous aussi, monsieur Pearson. Je me doutais bien que vous ne viendriez pas l'un sans l'autre. Auriez-vous un secret à nous confier, mademoiselle Céleste? C'est-à-dire, tout ce qui relève de la police a un côté qui me répugne. Vous voyez du mal où il n'y en a pas. Intéressant, n'est-ce pas, brigadier? Très intéressant. Mais où y a-t-il du mal, mademoiselle Céleste? Très juste. Où y a-t-il du mal? C'est vous qui le voyez, c'est vous qui suspectez chacun dans cette maison. Oh, quelle mauvaise opinion vous avez de nous. C'est comme ça. Et je tiens à vous l'affirmer tout net, il n'y a rien de suspect dans la mort de notre père. Nous n'en doutons pas. Mais vous mentez! Et c'est moi que vous suspectez. Sachez-le, je n'ai rien fait pour hâter la mort du comte de Vendry. Vous la croyez, monsieur le commissaire? Si je vous répondais, et vous, quelle réponse? Je serais embarrassé. À vrai dire, je les crois tous coupables. Tous. Monsieur le commissaire. Mademoiselle Coralie, voilà que vous connaissez mes fonctions, vous aussi. J'étais derrière la porte. J'ai entendu le brigadier. Ah, c'est une maison dont les habitants se surveillent. Enfin, que me vouliez-vous? Je crois, j'ai à cœur. Il ne faut pas. Voyons, mademoiselle Coralie, conservez votre calme. Certes, la fin brutale de monsieur de Vindry est un coup terrible. Cependant. Oh, c'est pas ça, monsieur le commissaire. Je sais que vous êtes policier. Tout ce que ça représente dans notre maison, jusqu'ici si tranquille, à l'écart de tout. Je vous le jure, c'est pas moi. Non, c'est pas moi. Amusant, vous ne trouvez pas, brigadier? Ils se veulent tous innocents, quoi. Tous. C'est qu'ils n'ont pas la conscience en repos. Allons rendre visite à mademoiselle Rachel. Entrez. Mademoiselle Rachel, vous pardonnerez notre intrusion, puisque vous ne veniez pas à nous comme vos sœurs. Nous sommes venus à vous, si j'ose dire. Vous semblez oublier que j'ai été blessée il n'y a pas longtemps. Oh, mademoiselle Rachel. Soit. Mes blessures étaient moins graves qu'on ne craignait. Mais je ne tenais pas outre mesure à vous revoir. Votre petite visite discrète m'a suffi. Monsieur le commissaire. C'est votre ami René qui vous aura ainsi renseigné. Ce qu'il ne vous a pas dit, mademoiselle Rachel, c'est que je n'ai aucun droit à enquêter ici. Je ne suis qu'un modeste pêcheur de truites en vacances, et c'est bien pour faire plaisir au brigadier La Flèche que je l'accompagne au cours de son enquête. Une enquête fort habile, mademoiselle. N'est-ce pas, brigadier? Oui, si j'ose dire. Et que vous a révélé cette enquête habile? Que votre aventure avec le jeune Rochereau n'est pas la première qui vous arrive.
Je suis plus que majeure, hélas. En effet, en effet. Mais vos amis ne sont pas toujours choisis sur le dessus du panier. Qu'en pense Mademoiselle Céleste? Ma sœur n'a pas à surveiller ma conduite. Est-ce pour cela qu'elle a tiré sur le jeune René l'autre nuit? J'en ai assez de vous sous-entendu, monsieur, qui n'avez aucun droit. Une dernière question. Pourquoi ne m'avoir pas parlé de la mort de votre père? Que j'ai du chagrin ou non, cela vous regarde-t-il? Vos sœurs, elles, se sont empressées de nier toute participation dans les circonstances de cette mort. Peut-être parce que l'une ou l'autre se sent coupable. Tandis que vous, mademoiselle Rachel... Est-ce à moi ou à vous de fournir une preuve? Je m'y emploie, mademoiselle, je m'y emploie. À ce propos, que pensez-vous de votre ami du moment, monsieur René Rochereau? Aurait-il été capable d'aider le comte de Vindry à franchir le seuil d'où l'on ne revient jamais? Idiot! Quel intérêt René aurait-il eu à empoisonner mon père? Mademoiselle Rachel de Vindry... Ne me racontez pas que vous ignorez votre séduction. Excusez-nous. Je vous suis, brigadier. Je vous en prie, monsieur le commissaire. Vous avez le sourire, monsieur le commissaire. Vous savez qui est le coupable? Pas la moindre idée, mon bon Laflèche. Alors, on abandonne? Surtout pas. Rejoignez le médecin, demandez-lui ses conclusions définitives. Et vous, monsieur le commissaire? Je m'installe au sous-sol. Oui, au sous-sol. Quand vous en aurez terminé avec le médecin, vous me rejoindrez en bas. En bas? Ah, on va essayer de surprendre... Vous m'amènerez tout ce petit monde également au sous-sol. Ce sera plus gentil comme cadre pour en finir. Enfin, pour essayer d'en finir. À tout à l'heure, brigadier. Je peux compter sur vous. Oh, c'est moi qui vous ai demandé de m'aider. Ça, j'ose le dire. Entrez, mesdemoiselles. Vous aussi, Rochereau. Et installez-vous. Des caisses en guise de chaise. Excusez-moi. Et que signifie ce déménagement? Pourquoi nous amener ici, au sous-sol? On y étouffe. Tout simplement que nous avons à cœur de vous débarrasser de notre présence. Vous avez nos renseignements, brigadier? Oui. L'empoisonnement est certain. La mort s'est produite entre minuit et 1h du matin. Le poison a été administré vers les 7-8h du soir. Qui de vous quatre, vous trois, mesdemoiselles, et vous, Rochereau, qui a donné le poison? Tel est le problème. À vous de le résoudre, monsieur le commissaire. Si je vous apprenais, mon garçon, qu'en cherchant à protéger quelqu'un, vous avez amené monsieur de Vindry à s'empoisonner. Non, mais là, faut pas pousser. Alors, dites ce que vous avez découvert quand vous étiez dans ce sous-sol, aux aguets de ce qui se passait au-dessus de votre tête. Dites-le. Alors, tant pis pour la casse. Hier, j'ai entendu Céleste. Elle voulait en finir, ça a été son mot. Et elle a parlé de poison. À qui parlait-elle? À Coralie. Est-ce tout? Vite, vite, le brigadier a des démangeaisons dans ses menottes. Non, il faut me pardonner, Rachel, mais toi-même... Jeune crétin qui se croit malin. Exact, commissaire, sauf sur un point. Ce n'est pas notre père. C'est moi que Céleste visait. Pourquoi? Parce que j'essaie de m'évader. Alors à poison, poison ennemi. Je devancerai son geste. Tais-toi, Rachel. À moi de dire la vérité maintenant. Vous décidez, mademoiselle Coralie. Allez-y, le brigadier vous écoute. Vous n'avez donc pas compris? Nous devions rester toutes les trois ensemble, ne pas nous séparer. Parce que chacune de vous trois se demandait ce que pourraient faire les deux autres en son absence. Chacune de vous trois craignait pour sa part d'héritage. Hélas, oui. Maintenant, me direz-vous laquelle de vous trois a versé le poison à monsieur de Vindry? Aucune. Je vous le jure. Et le verre que je vous ai vu mettre à ma place à table, Céleste? J'espériez que je le boirais à mon insu. Mensonge. C'est vous, René, qui avez versé quelque chose dans le verre de Céleste. Pas vrai! Avez-vous prévenu Céleste, mademoiselle Coralie? J'ai cru à une mauvaise farce, alors j'ai vivement retiré le verre et je l'ai déposé derrière moi sur la desserte. Mais alors... Oui,
Monsieur de Vindrille l'a pris pour le boire en cachette. Ainsi a-t-il été frappé par hasard. N'est-ce pas, René Rochereau? Répondez cette fois. Je visais Céleste et j'avais raison. Et moi? Est-ce que je n'avais pas raison la nuit où je cherchais à abattre cet assassin en puissance? Et elle avoue qu'elle a voulu me tuer. J'étais dans mon droit en répliquant. La légitime revanche, en somme. Eh bien, vous expliquerez ça aux jurés. Et ils m'acquitteront. Il leur suffira d'écouter ces trois furies. Elles se sont unies contre moi comme si j'étais... Le microbe de la peste. Et nous, les antibiotiques. Vous êtes donc libre, mademoiselle, libre d'hériter, libre de vivre. N'est-ce pas, brigadier? Oh, moi, je ne connais que ça. Les bracelets. À toi, bonhomme, en légitime revanche, si j'ose dire. C'était L'heure du mystère, une production de Germaine Beaumont. Aujourd'hui, Sous-sol de Francis Didelot, avec Sylvia Montfort, Jeanne Boitel, Marie Le Tourneur, Renaud Marie, Jean Péméja, Georges Cellier et Pierre Trabeau. Prise de son Robert Lavoigna, collaboration technique Michel Galou, assistante Catherine Bénévent, réalisation Ange Gilles.